Dimanche, fin d'après-midi. Octobre 2024. Un petit réchauffement. Il est 2 h, mais je vais arrêter à 4 h, 4 h 30. Juste une petite pratique. On va commencer avec ce shot-là. Une boule sur la table, il faut que je frappe le 1. Quand tu joues au nine ball, il faut que tu frappes le 1 en premier. Le petit numéro jusqu'au dernier. Le 1 pas là, il faut que tu frappes le 2. Le 1 caché par beaucoup de balles. Puis la blanche, je l'ai dans le rail, ici, et proche du 9. Ça fait que pour frapper le 1, il n'y a pas une tonne d'options. Je pourrais jouer une rail ici, mais ça ne passe pas. Là. Le 8 est dans le chemin, puis le 7. Ça sera trop risqué quand même, même si le 7 sera pas là, trop risqué de t'empocher. Tu frappes la 1 et tu t'empoches dans le centre, pas bon? Puis je pourrais jouer par la pointe de side, ramener la blanche par ici. J'en ai fait bien des coups comme ça, là, par les pointes de side. Je mettais des balles ici cachées ou là, puis là, je me servais des pointes de side pour aller frapper les boules. Pas bon, les 8 est dans le chemin. Ça fait que ma dernière chance, hein, c'est par le rail sit. Une rail sit en plein milieu de la blanche, aucun effet sur la blanche. Une, deux rail sit. Là, ma blanche, elle va passer entre le 3, pas loin du 3. Puis le 6, puis proche de... pas loin du 4. Hein. Puis m'en aller faire le 1 dans le centre. Je ne peux pas jouer fort. Moi, je ne joue pas trop fort pour après le contact, mais ma blanche, je veux que ma blanche récite. Peut-être même rentrer dans le 5, mais je vais avoir un coup sur la 2. Si jamais je ne joue pas assez fort, mais ma blanche récite. Là, m'être caché. On reste là, oui. Si je joue pas assez fort, ma blanche, elle récite, m'être cachée. Là, je pourrais pas jouer par ici, puis peut-être même pas par là non plus. J'aurais pas assez de place. Si jamais ma blanche vient cacher ici, ben, on va avoir accès au grand rail ici, où moi, j'aime mieux jouer les 3 rails. 1, 2, 3. Peut-être même 4 pour tenter de frapper la 2. Ben, mon but, c'est de frapper la 1. Dans le centre. Admettons que tu es dans un tournoi et quelqu'un t'a fait un save comme ça. Ou tu touches la 1, parce que pas mal sûr le joueur va ramasser boule en main et il va vider la table. C'est un bon shot, exactement comme j'ai expliqué. Si je joue pas assez fort, là j'ai pogné le 1 trop plein. Parce que ça se posait m'en ici après le contact. Là je l'ai pogné trop plein, j'imagine. Mais c'est pas grave, c'est encore vraiment joué. Dans un tournoi, admettons que quelqu'un m'aurait fait un save comme ça, là j'ai fait le 1 comme ça.
Fait que c'est ça, je voulais commencer avec ce shot-là. Puis, ça va être mon seul vidéo, ça. J'en ferai pas d'autres. De toute façon, ben, soir, je m'en viens pratiquer ici une couple d'heures. C'est ça, là, on m'a pratiqué d'autres coups par les rails, puis après ça, une couple de safety shots. Après ça, je finis toujours mes. Je finis toujours mes pratiques avec. Quelques games au 9 ball. Mais merci beaucoup. Je vais mettre la vidéo plus tard. On va finir vers les 4h, 4h et quelques. Je vais mettre la vidéo plus tard vers l'heure du souper. Puis c'est ça, moi je m'en viens pratiquer ici quand même après le souper et toute la soirée. Tout là, je prie avec ça là. Au moins dans un tournoi ou un match avec quelqu'un, c'est encore vraiment joué. Ouais. Merci beaucoup. Tu as joué avec ma vieille Cliff Thorburn de snooker. Cliff, il est posé dedans. The Frim Pro, 17 onces. Baguette de 30$. Blue Tip, 8.5 mm. Puis Cliff, j'avais déjà parlé à Cliff sur Facebook, sur Messenger. Il m'avait dit ça, c'est une édition de. Début 70, il me semble qu'il me dit 71 ou 72, je me rappelle pas. Ça fait à peu près 5-6 ans de ça. Là. Ça, c'est, j'avais envoyé une photo. Il était content que j'envoie ça. Cliff Thorburn. Il est posé dedans avec sa signature. Ça fait que merci beaucoup. Merci à ceux qui aiment mes vidéos qui commentent. À plus tard, en ce dimanche très froid aujourd'hui, 27 octobre 2024. Merci beaucoup, à la prochaine.